Bon, vous comprenez très bien que cette vidéo est une vidéo interdite aux enfants. Néanmoins, je vais essayer de parler en code. Je vais essayer de parler en code pour que les plus réticents et les plus smart, les plus intelligents là, qui arrivent à voir la vidéo, ne comprennent pas vraiment ce que je vais dire. J'ai remarqué à travers mes voyages dans plusieurs pays en Afrique, exception faite de l'Afrique de l'Est, où ce n'est pas aussi étendu qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, que beaucoup s'adonnent à certaines pratiques. Des pratiques que d'aucuns qualifieraient de péjoratives. Par exemple, récemment, quand j'étais au Bénin, j'ai parlé avec un de mes amis avec qui j'ai fait l'université et qui disait que il y a certaines pratiques que certaines femmes font afin de prendre l'énergie des hommes. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont passer, vous me comprenez, je vais parler en code, si vous ne me comprenez pas, je suis désolée. Elles vont passer d'homme en homme, mais avant de faire ça, elles vont se rassurer que leur organe personnel, on se comprend, quelque part en bas là-bas, qu'elles aient fait des scarifications, donc qu'elles se blessent légèrement, afin que durant le rapport, les pores là, les cicatrices qu'elles se sont faites, en bas, là-bas, puisse, je ne sais pas comment ça se fait, je vous dis juste ce qu'on m'a dit, absorber l'énergie de l'organe personnel de l'homme durant le rapport. Peut-être genre, what? On apprend chaque jour, hein? Ça, c'est du côté du Bénin, que ce bon pote-là m'a dit ça. J'étais un peu, mais ce sont des histoires qui reviennent du côté de, c'était encore de quel côté, là? De l'Afrique centrale. Ici, on disait qu'il y a des hommes qui faisaient également certains trucs. Pouvoir prendre l'énergie des femmes, toujours avec leur organe personnel, on se comprend. Et franchement, moi j'écoute toutes ces histoires là, et il y a des histoires même pires que ça, pire que ça. Et puis je me rends compte que on est dans une société qui, pour certaines raisons, on est en train d'aller vers la facilité, les gars. Franchement, franchement, parce que moi je ne comprends pas pourquoi vous ferez. Pourquoi vous vous adonnerez à de telles, je ne sais pas, pourquoi faire de telles activités quand il y a des solutions plus simples? On va parler de ça ici, des solutions plus simples là. On dit que oui, c'est pour prendre l'énergie, c'est pour prendre la chance. Oui, oui, oui. La fête de chance, même là, c'est du côté Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de voir la chance d'autres personnes. Donc, ils vont essayer de se marier avec cette personne afin de prendre leur chance. Ils vont essayer de se rapprocher personnellement à ces personnes-là afin justement de voler leur chance. C'est-à-dire que quand on dit même voler, là, on dit que mais voler leur chance. Est-ce que la chance, c'est vraiment même la chance? Est-ce que. Regarde, moi je ne comprends pas. Mais écoutez, moi je me dis que je pense que ces personnes s'adonnent à ces pratiques-là parce que elles ne sont pas exposées à des alternatives. Elles ne se rendent pas compte que. Pour réussir dans la vie, pour avoir ce qu'on appelle côte-à-côte la chance, il y a certaines choses simples à faire. Vous ne devez pas aller voir les marabouts. Vous ne devez pas passer des centaines d'heures à prier. Vous ne devez pas. C'est simple, c'est simple. C'est à notre disposition, c'est là. Il faut juste qu'on sache comment faire. Par rapport à la chance, j'ai sorti une vidéo dessus qui parlait justement des énergies, du fait que c'est important d'être dans un certain état d'esprit. Quand on dit énergie, on va perdre les gens. Les gens vont dire que oh, c'est ésotérique, c'est pas ésotérique. J'ai parlé d'état d'esprit, j'ai donné les différents états d'esprit, les états d'esprit qui attirent à vous de bonnes choses. Des états d'esprit qui vous mettent dans une condition qui attire à vous certaines choses. Je dis ça comme ça parce que ça peut être scientifique, hein, et c'est même scientifique. Mais je voulais pas entrer dans la définition scientifique parce que je voulais pas perdre les gens. Il faut savoir que vous attirez à vous ce que vous êtes. C'est très simple. Si vous êtes quelqu'un de négatif, quelqu'un qui voit le mal partout, bizarrement, vous ne serez entouré que des choses comme ça. Et vous n'aurez que des choses bizarres qui se passent autour de vous. Donc, quand vous allez entrer dans les débats, vous allez trouver des gens positifs qui ont des bonnes choses qui arrivent. Vous allez leur parler, vous, de votre point de vue, de votre expérience. Et ce sera vrai. Parce que c'est ce qui vous sera arrivé à vous. Maintenant, la personne qui est positive, qui aura, quant à elle, eu de très bonnes expériences, de bons retours, la personne va attirer à elle l'argent, comparativement aux autres, va également dire la vérité.
Donc, souvent, c'est que ce n'est pas une question de qui dit la vérité tellement, tellement pas. Je pense que les expériences sont souvent la réflexion de qui nous sommes, la réflexion des énergies qu'on a. Donc, allez voir la vidéo, je vais la mettre là. Allez regarder cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas vue. Elle est très, très, très importante. Comment attirer l'argent à vous? Avec quelque chose que certains qualifieraient de bizarre. Mais prenez surtout le temps de lire les commentaires en bas. Vous allez vous rendre compte que beaucoup disent que « Waouh, c'est vrai, ça m'est arrivé. Je m'étais pas rendu compte de ça, mais c'est vrai. Quand j'ai changé mon état d'esprit, mais c'est vrai. » Beaucoup. Vous serez même sidéré, vous allez dire que « Mais l'affaire là, c'est pas ésotérique. » C'est pas ésotérique, les gars. C'est scientifique, ça s'explique. Très, 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 très scientifique. Mais c'est pas le but de cette vidéo-ci. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de l'alternative de la facilité. Okay, les porte-monnaies magiques, les pratiques pour prendre l'énergie des autres, pour prendre les chances des autres, pour prendre... Est-ce que ça marche même? Franchement, je ne sais pas. Beaucoup vont dire que oui, ça fonctionne. Ils ont entendu tel... Venez raconter votre histoire. Si vous avez fait ça, mettez dans les commentaires. N'allez pas dire que j'ai entendu l'histoire de tel qui a fait quoi, quoi, quoi. Mettez dans les commentaires. La phrase phare retenue de cette vidéo, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui paye mieux dans ce monde que le travail. Donc, il faut noter ça. Il n'y a rien d'autres qui paient mieux dans ce monde, le monde où on est là présentement, en chair, vous et moi là, que le travail. Donc écrivez sur un papier, il n'y a que le travail qui paye. Laissez-moi donc vous dire que durant mon observation des personnes à succès, je me suis rendu compte que l'argent ne choisit pas les gens en fonction de leur religion. Vous allez voir des musulmans très riches. Et je pense que l'homme noir le plus riche au monde est musulman. Vous allez voir des chrétiens très riches. Vous allez voir des kémites très riches. Vous allez voir des athées très riches. Même ceux qui ne croient en rien là. Eux aussi, ils ont l'argent. Vous allez même voir des bouddhistes très riches. On va parler des affaires de... Des gens qui croient en 2000 dieux très riches. Allez voir dans la liste des Indiens les plus riches. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a la femme du nouveau premier ministre là, son père, je pense qu'il est indien et il est justement dans les croyances hindoues, je pense qu'il croit à plus de 100 dieux ou un truc comme ça, très riche. Donc, vous allez même voir, bon, je n'aime pas utiliser le terme sorcier parce que souvent c'est un peu péjoratif, mais on va l'utiliser ici dans un contexte un peu négatif. Vous allez même voir des sorciers très riches. Donc, qui dit sorcier, ça dit les gens qui ont des pouvoirs, entre guillemets, pour ceux qui y croient. Très riche. Mais en dehors de ça, vous allez voir quelque chose de commun entre eux, toutes ces personnes. Et c'est cette communalité-là qui m'a toujours posé, mais si toujours demandé que, mais si c'est qu'il y a autant de différences, ça veut dire que cette différence, ça, ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont riches. Va chercher les points communs. Et quand on fouille les points communs, on se rend compte que ce sont des gens qui croient au travail. Ce sont des gars qui bossent et qui travaillent comme des malades. Ce sont des gars qui te disent que s'il dort 6 heures par jour, c'est qu'il a trop dormi. C'est qu'il a eu le luxe de dormir. Ce sont des gens qui sont bien organisés. Ce sont des gens qui ont une vision, qui ont une planification, qui ont des objectifs, qui se lèvent chaque matin. Ils se rassurent d'atteindre leurs objectifs chaque jour. Donc, ils sont vraiment dans la phase de l'implémentation, de l'exécution chaque jour. Ce sont des gens qui croient au travail. En d'autres mots, je sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche là. Tout le monde en mode ouf, repos, ça va. Laissez-moi dormir, laissez-moi me reposer. Mais la semaine commence demain, non. Donc, gardons en tête que la seule chose qui paye vraiment dans ce monde, c'est le travail. Le travail dans de bonnes énergies. N'allons pas dire que, voilà, le marabout a dit que je dois faire des scarifications quelque part. Pour pouvoir, marabout dans le mauvais terme, hein. Je sais que dans certains pays, marabout c'est positif, mais marabout dans le mauvais terme, du genre, le gars là a dit que je peux faire les scarifications en bas pour pouvoir voler les énergies. Déjà, quand on parle de vol, ça veut dire que vous prenez quelque chose qui n'est pas vous. C'est mauvais. Vous pensez que Dieu vous a oublié dans tout ça. Donc, Dieu a donné la chance aux autres, on ne vous a pas donné pour votre chance. Pensez un peu à ça. Et essayez d'appliquer ce qui est dans cette vidéo aussi. Laissez ces trucs bizarres là, qu'on dit que tu vas prendre la chance, commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur tes énergies, tes fréquences de 1. Et ça va commencer à t'aider à travailler sur tes attitudes. Parce que en termes d'énergie, je dis énergie et vibration, mais la vérité, c'est que la corrélation, ça va être l'attitude. Et après ça, donc, vous serez capable de travailler sur vos aptitudes. Parce qu'il y a deux choses qui vont de pair pour réussir dans ce monde. Les attitudes.
des attitudes qui disent, qui se remettent en question quand quelque chose arrive. Oh, je n'ai pas réussi ceci. Oh, il y a beaucoup de gens qui réussissent. J'essaie de me lancer. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est l'autre mon problème? Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est le sorcier? C'est vous. Attitude. Remettez-vous en question. Et moi, j'ai sorti tellement de vidéos sur cette manière de penser. Et je vous ai dit tellement de fois comment moi, ça a changé ma vie. Au lieu de chercher un problème externe à mes problèmes, je me regarde moi-même. J'ai joué quel rôle dans ça? Comment est-ce que je m'arrange pour que ça n'arrive plus? Parce que ce qui est sûr, c'est que si je ne change pas mon attitude, ça va se répéter. Et ce qu'on appelle les lois du cosmos, les lois de l'univers. Tant que vous ne changez pas quelque chose dans vos attitudes, là, vos manières de faire, tout ce qui vous arrive de bizarre, là, ça va revenir, ça va se répéter. Ha! On appelle ça ce qui est écrit dans les livres saints africains. Et ce sont les choses à comprendre. Mais une fois qu'on comprend ça, on fixe nos attitudes. On élève nos vibrations et nos énergies. Et après qu'on ait fait ça, maintenant, on ne dit pas que, ouais, maintenant que j'ai fait tout ça, oh, quelqu'un va venir me donner l'argent. Non. L'univers va mettre sur nos routes des événements, des gens, des opportunités pour se faire de l'argent. Mais encore, il faut qu'on soit prêt. Et c'est la raison pour laquelle on doit travailler sur nos attitudes. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on dit qu'on peut faire là? Est-ce que je suis un bon vendeur? Est-ce que je sais vendre? Est-ce que je sais bien parler? Est-ce que je sais déjà moi me vendre? Ce sont des choses basiques. Donc, il faut travailler sur ces affaires-là. Et quand on parle d'aptitude, on comprend que c'est le travail. Il faut aimer le travail. C'est une bénédiction. Ceux qui fuient le travail, là, ils cherchent sa facilité. D'ailleurs, la facilité, il y a un prix à payer. Hein, et le prix est salé. Comme moi, je dis souvent aux gens, soit vous souffrez maintenant, vous avez la récompense demain. Et vous avez votre tranquillité d'esprit. Soit vous courez vers la facilité maintenant là. Et vous payez le prix salé demain. Maintenant, ceux qui n'ont pas la vision sur le long terme vont prendre ce qui est facile maintenant. Et demain, quand on va voir leur vie, on va se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le gars ne va pas réaliser que c'est lui qui va commencer à accuser les gens. Tel a fait ci, tel a fait ça. Tel m'a dit de quoi, quoi, quoi. Mon frère est mauvais. Voilà les phrases, alors on est bon pour ça. Dans chaque pays où je passe, chaque pays pense que son frère est mauvais. Le Camerounais pense qu'il n'y a pas plus mauvais que le Camerounais. Le Béninois pense qu'il n'y a pas plus mauvais que le Béninois. Le Sénégalais pense qu'il n'y a pas plus mauvais que le Sénégalais. Le Sénégalais. L'Ivoirien pense qu'il n'y a pas plus mauvais que le Sénégalais. Le Malien pense qu'il n'y a pas plus mauvais que le Malien. Le Gabonais pense... Les gars, laissons ça. Laissons ça aux autres. Et travaillons. C'est ce avec quoi j'achève cette vidéo-ci. Gardez en tête attitude, aptitude et travail. Et vous appliquez ça et vous m'en direz des nouvelles. Non, ce n'est pas la sorcellerie. It's what we call common sense. C'est ce qui fonctionne pour ceux qui réussissent dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on peut également appliquer, nous, dans nos vies. Voilà les gars, très bon dimanche à tous. Et très bon début de semaine pour ceux qui vont voir cette vidéo en début de semaine.